Oh, je crois que j'ai faim. Non, j'ai faim. Quelle belle danse que je suis en train de faire. Je m'amuse. Ouais. Mais c'est qui crie? Je pense que je devrais aller à la rescousse. Quel livre intéressant. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends ma petite fille pleurer. Je suis en route. Cette glace est si délicieuse. Ouais, super bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pauvre Jill. Je me dépêche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai faim. Je veux manger. Donne-moi mes lunettes. Je n'y vois rien du tout. Je vais en baigner. Vous pouvez m'en faire un? Voyons voir. Oui. Je suis prête. Hein. J'aimerais beaucoup préparer ce beignet. D'abord, je vais verser la pâte dans cette machine à beignet. C'est comme ça, ouais. Je vais remplir tous les trucs et maintenant je ferme et j'attends. Et moi, je vais faire de magnifiques beignets en arc-en-ciel parce que les beignets ordinaires sont tellement ennuyeux. Les miens seront les plus arc-en-ciel, les plus amusants, bien sûr, les plus savoureux. Je vais certainement gagner dans ce tour. Je ferme et j'attends. Quelle bonne fixée. Tu vas très bien t'en sortir, Wednesday, toi. Bien sûr, les beignets noirs sont les plus savoureux, mais il manque quelque chose. Vraiment? Ah, bien sûr. La sauce. Chose, aide-moi. Oh non, j'ai peur de cette main, enlève-moi ça. Merci, Chose. Maintenant, j'ai un bol. Maintenant, je vais utiliser ceci, cette seringue-là. Ce sera plus pratique pour décorer les beignets. C'est ça. Oh, c'est du sang, n'importe quoi. En fait, c'est juste la sauce aux fraises. Ouais, bien sûr. C'était drôle. Maintenant, je vais décorer mes beignets avec de la sauce et le plus délicieux des glaçages. Ça, je comprends le chef-d'œuvre. Ouais, c'est friand un peu. Mes beignets sont déjà faits. Je vais les mettre ici. Et bien sûr, du sucre en poudre. La recette classique. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Regardez. Ouais, rien de spécial. Cool, mamie. Et maintenant, voyons mes beignets en arc-en-ciel. Oh oui, c'est super. Oh, j'adore. Et maintenant, je vais mettre... Oh non, j'arrive pas à ouvrir. Non, j'arrive vraiment pas. Waouh. Oui, j'ai mal calculé ma force, mais bon, je vais mettre comme ça. Mes beignets sont prêts. Serre-toi, Jill. Bon appétit. Oh, c'est tellement appétissant. Oh, ce beignet est super intéressant et très drôle. Je vais le goûter. Ouais, il est bon. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ce beignet est ordinaire, mais je vais quand même le goûter. En fait, pas mal. Mais bon, je m'attendais à plus. Oh, quel beignet arc-en-ciel! Le dehors est vraiment magique. J'espère que c'est bon. Oh oui, c'est magique ça. Oui, j'ai aimé tous les beignets, mais en fait, voilà, c'est le gagnant. J'ai gagné? Super. Comment les ouvrir? Je veux des pâtes cette fois-ci. Moi j'ai de l'eau. Alors je vais donc préparer rapidement les pâtes pour ma petite fille. Ouais, c'est presque prêt pour moi aussi. Mais il faut s'en assurer. Chose, viens ici. Ouais, tu vas bien m'aider. Oh, merci. Je pense que c'est prêt. Je peux mettre de la pâte? Des pâtes plutôt. Ouais, je peux le faire. Et je pense que je vais gagner dans ce tour. Et pourquoi t'as dit cela? Et moi, je vais faire les pâtes moi-même. Oui, je vais prendre la farine. Oh, chier! Oh,
Je suis toute couverte de farine, mais c'est pas grave, c'est même un peu amusant. Bon, alors, je vais mettre la farine sur une planche et je vais faire de vraies pâtes artisanales. Je vais ajouter un œuf, du sel. Et maintenant, je vais bien pétrir cette pâte. C'est pas très facile, mais ça sera super bon. Je vais faire les pâtes. Oui, les morceaux. Oui, un peu de colorant, bien sûr. J'ajouterai des couleurs et voilà. Oui, c'est des couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vais prendre ce petit morceau. Et je vais faire ces petites saucisses. Et je vais faire la même avec des autres couleurs. Maintenant, je coupe en petits carrés. Et voilà! Bien sûr, je vais faire comme ça. Et regardez, il y a plusieurs couleurs. Oh, t'es tellement inventive! Alors, mes pâtes sont prêtes. Je vais juste mettre tout ça dans l'assiette et j'ajoute du ketchup. Oh, il est où? Je ne vois rien. Mes lunettes. C'est du ketchup, ce n'est pas du ketchup. Je dois en mettre beaucoup. Non mais mamie, il faut ouvrir. Tiens. Oh. Non. C'est le mauvais côté. N'importe quoi, je suis toute seule. Oups, mais c'est amusant. Il faut faire plus attention. Et il ne faut pas rigoler. Et voilà. Je vais ajouter du ketchup et voilà, c'est fait. Ouais, pour moi, c'est prêt aussi. Je vais mettre tout ça dans l'assiette. Il manque quelque chose. Chose, viens ici. Tu sais ce qu'il me faut. Apporte-le. Ouais, bien joué. Bien sûr, c'est juste ce qu'il faut. Ouais, ça va être noir. Et bien sûr, ça va être super bon. Ah ouais, c'est stylé. Maintenant, j'ai besoin du ketchup. Je vais en verser beaucoup. Bon, je pense que c'est bon. Et avec les yeux, c'est encore mieux. Non mais Wednesday, pourquoi tu me fais peur comme ça et qu'est-ce que t'as? Eh, regardez! Ce sont des pâtes à arc-en-ciel. J'ai tellement envie de les manger. Bon appétit! Oui! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Est-ce que je dois goûter? J'ai pas envie, mais... Oh, c'est horrible. Bref. Et moi, je veux goûter cette pâte-là. Oui, j'adore ces pâtes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super beau. Oh, j'ai hâte de goûter. Ouais, et en fait, c'est super beau et super bon. Voilà, c'est la gagnante. Ouais, j'ai gagné. Ouais. Je vais bien essuyer mes lunettes. Cette fois-ci, je veux une boisson. Le bon est sucré. Chose, t'es prêt? Okay. D'accord. Ouais. Oh, j'ai failli tomber. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boisson. D'accord. Je vais commencer. Okay. Alors, je vais prendre des bonbons très jolis mais acidulés. Ils m'aideront à réaliser mon idée. Et maintenant, je vais envoyer ça dans un moule. Et les autres aussi. Ça sera un miracle coloré. Oh, ils sont plus là? D'accord. Alors, il est temps pour les mettre au four. C'est fait. Maintenant, il est temps de refroidir mon plat. Maintenant, je vais tout démouler. Oh, cool! Je pense que c'est vraiment génial! Et ce sont des verres comestibles! Maintenant, je prends des M&M's. Et bien sûr, je vais les trier par couleur. Ça sera magnifique comme ça. Mamie, regarde comment je sais faire. Ouais, où sont tes manières? Bon, je continue. Je mets des M&M's ici et bien sûr du Sprite. Avec de la crème fouettée, ça va être encore plus bon. Je vais tout décorer avec des sprinkles. Et la touche finale, c'est d'ajouter des pailles. C'est quelque chose d'incroyable. Et moi, je vais préparer un cocktail super sain à l'aide du céleri. Je pense que ça va le faire.
Oh, c'est vraiment horrible. Je pense que Gilles ne va pas l'apprécier. Oh, mon cocktail pour ma petite fille est prêt. Il est beau, il est super sain. Et bien sûr, du céleri et la paille. C'est cool, n'est-ce pas? Non. Non, chose, le verre. Je vais prendre le verre et bien sûr le sirop à la fraise. Qu'est-ce que je peux verser dedans? Je pense que ça va être du Sprite. Je vais ajouter du colorant. Et je vais bien remuer tout ça. Avec une paille super stylée. Chose, aide-moi. Ok. Ouais. Oh, tu m'as fait tellement peur. Wednesday. Chose, dépêche-toi. Super. Merci. Tiens. La crème fouettée, c'est génial. Elle ressemble beaucoup à des cerveaux. Mais pour un meilleur effet, je vais arroser de sirop rouge. Et mettre un oeil et une araignée sur le dessus. Ça a l'air délicieux. Parfait. Stop! On est prêt, Jill. Oh, c'est tellement magnifique. Je vais essayer par ce cocktail-là. Oh, c'est pas mal. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça, du céleri? Non, je vais pas goûter ça. Oh, ça, c'est intéressant. C'est super bon. Et le verre est comestible. Aïe, c'est tellement acide. Mais le boisson est bon. Et voilà, c'est le gagnant. Oui, j'ai encore gagné. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Maintenant, j'ai une salade. Comme celle-ci, avec des croutons. Bien sûr. Pas de problème. Ah, d'accord, j'ai compris. Je vais le faire. Je vais prendre les feuilles de laitue et m'assurer de les déchirer. Comme ça. Oh, qu'est-ce que tu me proposes? Merci, mais ne joue pas avec un couteau. Alors, je vais continuer. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai besoin de ce poulet-là. Maintenant, je vais mettre le poulet sur des feuilles de laitue. Et après, je vais couper les tomates. Et je vais ajouter des croutons de cette salade César. Et après, je vais râper le fromage. C'est obligatoire. Génial. Je suis prête. Et toi? Et pour moi, ça va. Je vais utiliser ces formes-là. Oui, regardez, je vais faire des petites figurines. Je pense que c'est plutôt mignon. Je prends une petite baguette. Et regardez! C'est génial! Oh, ouais, c'est super, Wednesday. T'aimes pas ça? Mais bon. Oh, c'est super! Alors, je vais ajouter quelque chose de vert. Et c'est le bouquet. Ouais, génial! Oh, je comprends rien. Oh, le poivron, il est rouge, c'est juste ce qu'il faut. Je vais le couper. Je vais le couper en deux. Je vais enlever les graines et mettre de la laitue à leur place. Je vais couper le concombre en tranches. C'est comme la langue, n'est-ce pas? Voilà des yeux. Et regardez ses têtes. Oh non, ça va nous manger. Peut-être. Bon, je vais mettre ces monstres sur l'assiette. Bon appétit. Ça fait beaucoup de nourriture. Oh, j'adore. Oh, quelle salade intéressante. Honnêtement, ça n'a pas très bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc noir? Ah, c'est une olive. Ça a un goût dégoûtant. Oh, oh, c'est quoi cette salade? C'est juste ce qu'il faut. C'est super bon. C'est le gagnant? Oh, j'ai gagné. Je suis une grande cuisinière. Oh, comment nous sommes arrivés? C'est quoi? J'espère que c'est quelque chose de délicieux. Ah oui, c'est une bombe. Descends, ça va exploser. Ça a l'air cassé. Quelque chose de l'autre. Oui, j'ai compris. C'est une bombe sucrée. Oui, c'est tellement bon. Une saveur vraiment explosive. Waouh!
Tu ne peux pas t'arrêter. Je vais encore et encore. Tu devrais pouvoir l'essayer aussi. Pas question, c'est tout à moi. Oh wow, t'as tout mangé si vite. Il reste une dernière pièce. C'est la première fois que je mange un chronomètre. C'est vraiment bon. Tout le monde devrait l'essayer. Attends, c'est quoi ce bruit? T'entends? Oh non, ça vient de là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une vraie bombe. Une vraie. Oh, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Salut tout le monde, j'ai entendu quelqu'un ici demander de l'aide. T'inquiète pas, je vais te sauver. J'ai un ruban spécial. Voilà, vous êtes en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande combien de temps avant qu'il n'explose. Ce n'est pas clair, nous devons nous dépêcher. Oh, allez! Quelqu'un sait comment utiliser ces boutons? Oh, je crois que j'ai tout gâché. Mon travail est terminé. Oh, wow! C'est tellement haut! Marie, que faisons-nous avec la bombe? Ne panique pas, j'ai un plan. Juste ce dont nous avons besoin. Marie, cela ne va pas t'aider. D'accord, et ce poulet? Non, bien sûr que non. Tu n'es pas du genre à te faire plaisir. Et t'en penses quoi de ça? Non, vraiment, ça vite. Bon, c'est annulé avec toi. Oh, j'ai trouvé. Ça devrait le faire pour toi. Oh, je vais juste mordre le fil. C'est une excellente idée. Quoi? Il y a tellement de fil. Qu'est-ce que tu veux couper? Je pense que le bleu. Marie, s'il te plaît, devine. Oui, c'est fait. Nous sommes sauvés. Oh non, le temps est passé encore plus vite. Quel d'entre nous mange le plus de chocolat? Je vais gagner. Ah, un de plus? Je ne vais pas me loigner de toi. Ah ah, l'égalité, c'était génial. Mon ombre! Waouh, je suis si heureuse! C'est le nouvel iPhone! Moi aussi, c'est le meilleur cadeau qui soit. Nous avons deux iPhones identiques? Je sais pas. Allez, je vais aller voir. Oh, wow, c'est si confortable dans la main. Et il y a aussi beaucoup d'applications. Seulement, pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Wow, c'est un iPhone en chocolat. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Wow. Oh, c'est délicieux. Wow, si t'as un chocolat, alors j'en ai un vrai. Génial, il est temps de prendre des selfies. Oui, bonne idée. Souris? Bah, attends, tu gâches la photo. C'est beaucoup mieux. Eh bien, tiens bon, ma vengeance sera brutale. Oulala, je suis si mignonne. Arrête! Oh non, mon iPhone! Bien fait pour toi. C'est donc toi qui m'as fait peur. Oups, c'est moi ou mon iPhone en chocolat? J'aimerais qu'il aille bien. Oh non, mon ton nouveau téléphone. Pourquoi je ne pourrais pas prendre de superbes selfies? Oh, j'ai une idée. Oh, qu'est-ce que tu veux? Échangeons nos téléphones. Oh, vas-y, allez. Donne-moi le tien, tu prends le mien. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est cassé. Chelsea, tu m'as trompé. Quoi? Elle mange aussi mon iPhone en chocolat. Rends-le-moi. Ce n'est pas l'échange pour lequel j'ai signé. Il ne reste qu'un petit morceau. Wow, un chargeur de chocolat? Je doute que cela t'aide, mais ça vaut le coup d'essayer. Wow, je peux manger cet iPhone maintenant, tout de suite, n'est-ce pas? Wow, quelle chance pour Marie. La jalousie en silence. Peut-être que je peux réparer mon iPhone. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, commençons. Ah, allez, aidez-moi. C'était une très mauvaise idée. Oh, c'est une sacrée coiffure que t'as. C'est drôle. Moi d'abord. Ma surprise préférée de la maternelle. Il y en a aussi tellement. Génial, j'en ai aussi. Six d'entre eux. Quoi? Quoi? T'en as aussi? Qui a les chocolats et qui a les vrais? Je sais pas. Je vais commencer alors. Il faut que je nettoie ça rapidement parce que j'ai hâte de les essayer. Du chocolat au lait, j'adore. Il y a aussi des M&M's sans bonbons à l'intérieur. C'est deux fois plus bon. Wow, oh, j'en veux aussi. C'est vrai, j'ai ma propre surprise Kinder. L'odeur est si douce. Oh, c'est un vrai œuf.
temps. Bien fait pour toi. Ce n'est pas juste. J'espère que le prochain œuf ne sera pas comme ça. C'est tellement effrayant d'essayer. Oh non, il y a un œuf ici aussi. Ça a l'air horrible. C'est le pire tour de tous les temps. Mais j'aime bien, parce qu'un Kinder Surprise est la meilleure chose délicieuse du monde. C'est du chocolat sucré et il y a toujours une surprise qui attend l'intérieur. Wow, des boules de chocolat. J'adore. Mais j'ai aussi envie de manger un Kinder Surprise. Chelsea, laisse-moi en essayer, s'il te plaît. Non, comment tu peux donner une Kinder Surprise à quelqu'un? C'est juste à moi. Chelsea, t'es si gourmande que je ne sais pas quoi faire. Ah, je sais. Je vais jouer un tour à Chelsea. Peut-être qu'elle réalisera que tu dois manger avec tes amis. Prépare-toi. Quoi manger? Vas-y. C'est ce qu'il faut. Arrête, c'est quoi ce goût désagréable? Ça ne t'a pas plu? Ah, tu l'as mis en place. Tiens, bon, prends ça. Oh non! Mon bidon! C'est sale! Ta farce a été un échec. Oh, c'est dégoûtant! Tu dois manger toutes les surprises de Kinder. Non, pas ça! Oh, je suppose que je dois le faire. En fait, j'ai une meilleure idée. Organisons un barbecue. Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Nous prenons un œuf. Oups! Un œuf et en cassons la poêle. Et ça fait avec tous les œufs. Et tu tiens un œuf brouillé savoureux. Ça a l'air délicieux. Marie, je peux en essayer? Non, ces œufs sont juste pour moi. Eh bien, une astuce de cuisine dangereuse. Wow! Oh, c'est tellement beau. Une idée. Oui, prends ça. Non! C'est mieux sur toi. Mes œufs sont fichus. Je ne cuisinerai plus. J'ai mimé. Wow! Un set de McDo superbe. Attends, moi. Oh, moi aussi. Je l'essaie d'abord. Le coca est un excellent désaltérant. Quoi? Comment cela est-il arrivé? Oh, je l'ai eu. J'ai du coca au chocolat. C'est vrai. J'adore le chocolat. Awesome. Oh, wow, génial. Wow, c'est une machine à fabriquer des bonbons. Wow, le coca au chocolat et les M&M's aux bonbons sont la combinaison parfaite. Moi, je veux aussi. Essayons. Ah! Aidez-moi, je suis toute mouillée. Non! Alors, comment se passe cette douche à la coca? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Oups, dommage que tu n'aies plus le coca. Je me demande si les frites sont aussi des frites au chocolat. Oui, un vrai délice. Des frites au pépites au chocolat. Personne d'autre n'a jamais goûté ça. Je veux manger tout en même temps. C'est délicieux. Tu pourrais les manger pour toujours. Wow, même la boîte est comestible. Quoi? Tu ne plaisantes pas? Tu te moques de moi? Oh, ce n'est pas comestible. Oh, je n'ai plus de frites et plus de coca. Ça te sent pas mal, c'est parti. Wow, merci beaucoup. C'est vraiment délicieux. Quel aliment aimerais-tu essayer le plus, le chocolat ou les vrais aliments? Écris dans les commentaires. Abonne-toi aussi à notre chaîne Darada.